À gauche maintenant, euh, qu'on me sorte les condamnations. Voilà ce que réclamait Raphaël Arnaud, ce candidat Nouveau Front Populaire dans le Vaucluse, fiché S pour ses activités militantes d'Antifa et de porte-parole de la Jeune Garde. Il n'y est toute violence, mais c'est une information européenne. Il a bien été condamné, euh, William Molinier, par la justice et justement pour des violences. Oui, le 18 février 2022, quatre mois de prison avec sursis pour des violences en réunion. Condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon. Cette information nous a été confirmée par une source judiciaire. Les faits remontent au 24 avril 2021. La victime est abordée dans la rue par six individus qui l'encerclent et le plaque contre un mur. Il lui ôte sa veste. Il lui demande de déverrouiller son téléphone portable pour vérifier son appartenance à un groupe d'extrême droite. La victime refuse. Elle est molestée, projetée au sol. Les agresseurs s'enfuient. Parmi eux, un homme est formellement reconnu par la victime. Raphaël Arnaud, lui, il nie toute implication. L'enquête policière établira pourtant que ses données de téléphone prouvent qu'il était bien sur les lieux des faits au moment même de l'agression. Condamné donc. En première instance, il a fait appel. Le dossier est désormais entre les mains de la 9e Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon, mais le procès n'a pas encore été audiencé. Aucune date n'a été fixée depuis plus de deux ans maintenant. William Molinier, du service police-justice d'Europe.